Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ces petites chaussettes pour bébé de 9 à 18 mois. J'ai fait trois autres vidéos pour des chaussettes de bébé de différents âges, de différentes grandeurs. Je vais vous indiquer les liens dans la description. Dans cette vidéo-ci, la longueur de pied pour la chaussette, la semelle est de, on mesure à partir du talonnet et la longueur est de 12 cm. J'ai utilisé la laine Baby Merino de Drops, la couleur 36 qui est orange. On va tricoter les chaussettes comme c'est recommandé avec des aiguilles 3 mm. On va voir aussi comment faire un petit échantillon et 50 g est suffisant. Alors, pour l'échantillon, avec une aiguille 3,0 mm, avec 24 mailles, vous devriez obtenir 10 cm de largeur. Si c'est plus grand que 10 cm, vous prenez des aiguilles plus petites. Et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. On va tricoter les chaussettes avec des aiguilles 3,0 mm. Mais pour monter les mailles et le premier rang des côtes, on va utiliser des aiguilles 3,5 mm. Ça permet d'avoir une meilleure élasticité, là, comme ceci, en haut de la chaussette. En prenant des aiguilles un petit peu plus grosses pour le premier rang et pour monter les mailles, on va utiliser aussi deux garde-mailles pour fermer la pointe du pied et un petit marqueur pour nous indiquer la fin du rang. Avec les aiguilles 3,5, on va monter 40 mailles anglaises qui sont suffisamment élastiques là, pour le haut de la chaussette. Et les mailles anglaises, c'est que l'on pique entre deux mailles, comme ceci, pour tricoter la maille, et ensuite, simplement, là, vous pouvez aller piquer sous le fil de l'aiguille gauche, et ça nous donne nos mailles anglaises. Les 40 mailles sont faites. On va transférer maintenant sur d'autres aiguilles. Sur une première aiguille, on va transférer 12 mailles. Sur une deuxième aiguille, la même chose. On transfère 12 mailles. Alors, il va nous rester 16 mailles sur notre aiguille. 2, 4, 6, 8. 6, 12, 14, 16. On peut maintenant placer nos aiguilles en triangle en s'assurant que nos mailles ne tournent pas autour de nos aiguilles et on va prendre la première maille de l'aiguille de gauche, la déposer sur l'aiguille de droite et la première maille de l'aiguille de droite, on va la déposer sur l'aiguille de gauche. Le transfert des premières mailles, comme ceci, ça permet de faire une belle jonction pour fermer le rond de notre tricot. On va commencer les côtes 2-2 avec les aiguilles toujours 3,5 avec une maille en droit et ensuite deux mailles en vert. Donc, on commence avec une maille en droit, deux mailles en vert et on continue les côtes 2-2. C'est deux mailles en droit, deux mailles en vert. Deux mailles en droit, deux mailles en vert.
va terminer la première aiguille avec deux mailles envers et une maille en droit. On reprend la prochaine aiguille avec la même chose, une maille en droit et deux mailles envers. Et on continue la séquence, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, les côtes de deux. On termine ici aussi la deuxième aiguille avec une maille en droit. Et la dernière aiguille, même chose, on commence avec une maille en droit. Et ensuite, on commence la séquence 2-2 avec deux mailles envers. Alors, puisqu'ici, c'est la troisième aiguille, je vais placer mon marqueur qui va indiquer là, que c'est la dernière broche là, pour terminer le tour. Et on termine avec une maille en droit. Alors là, on a fait un tour au complet. Avec des aiguilles 3.5, on va chercher nos aiguilles 3.0 pour continuer les côtes exactement de la même façon qu'on a fait le premier tour, en n'oubliant pas là, de changer chaque aiguille 3.5 et la remplacer par une aiguille 3.0 pour une longueur de côte de 9.5 cm. Alors là, ici, les côtes sont terminées. On va mesurer. C'est bon. Alors, maintenant, on est rendu à faire la languette du talon. C'est cette partie ici de la chaussette qu'on va tricoter en point jersey. Maintenant, on a 40 mailles pour au total pour la chaussette. On veut avoir 20 mailles, la moitié, pour le dessus du pied et 20 mailles pour le dessous du pied, donc notre talon doit avoir 20 mailles. Pour le dessus du pied, ici, j'ai 12 mailles et je veux en avoir 20. Alors, je vais aller piquer sur l'aiguille suivante en continuant la séquence, là, une maille en droit, deux mailles envers pour avoir au total 20 mailles sur mon aiguille. Deux mailles envers, une maille en droit. Alors maintenant, j'ai 20 mailles sur cette aiguille qui va servir pour le dessus du pied. Il nous reste donc 20 mailles sur les deux autres au total, là, pour les deux autres broches. On va s'en servir pour faire la languette de talon. Alors à chaque début de rang, on glisse la première maille, et ici, pour le premier rang de la languette, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On continue avec la même aiguille, donc on laisse tomber celle qu'on vient d'utiliser. On va chercher les mailles de l'autre aiguille pour avoir notre total de 20 mailles. On tricote la dernière maille à l'endroit. Maintenant, on a un rang
de fait en droit pour la languette. On va garder l'aiguille ici du dessus du pied en attente. On va continuer la languette maintenant le côté envers. On glisse toujours la première maille. Ici, on la glisse à l'envers. Et le reste des mailles de l'aiguille, toutes les mailles à l'envers. Alors, on a deux rangs de fait, un rang en droit, un rang envers. Il s'agit de répéter toujours les mêmes deux rangs. On glisse la première maille ici à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Et le rang de retour, là on a trois rangs de fait, le rang de retour, alors envers, on glisse la première maille à l'envers et on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors là, on est en train de faire le quatrième rang, vous allez toujours répéter les mêmes rangs en droit envers pour un total de 12 rangs. Alors là, ici c'est fait, la languette est terminée. On peut passer maintenant à faire le talonnet. Alors ici, le talonnet, c'est le petit rond sous la semelle, à la semelle. Ça se fait en rang raccourci. Et je vais le faire au complet avec vous. Alors, pour le premier rang, on va tricoter 12 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on fait un surjet. Donc, on glisse la première maille. On tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée et on tricote la maille suivante. Il nous reste 5 mailles sur l'aiguille de gauche en attente. On tourne notre travail. Maintenant, du côté envers, on va tricoter 6 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'envers et une maille envers. Alors, il nous reste aussi 5 mailles sur l'aiguille de gauche. On tourne pour le côté en droit. Maintenant, votre côté, 7 mailles en droit. 7, on fait un surjet, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat et une maille en droit. Il nous reste maintenant 3 mailles en attente sur l'aiguille de gauche. On tourne le rang de retour. Maintenant, on tricote 8 mailles envers. 8, 2 mailles ensemble à l'envers,
une maille envers. Il nous reste aussi 3 mailles. On tourne. Maintenant, 9 mailles en droit. Huit, neuf, un surjet. On tricote la maille suivante à l'endroit. Il nous reste maintenant une maille. Le rang de retour, 10 mailles envers. Sept, huit, neuf, dix, 2 mailles ensemble à l'envers. La maille suivante à l'envers, il reste aussi une maille. On tourne. Maintenant, 11 mailles en droit. Et on fait un surjet pour terminer le rang. Maintenant, du côté envers, 11 mailles envers. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. On a maintenant 12 mailles sur notre aiguille après avoir terminé le talonnet. On est rendu à l'étape de relever les mailles de chaque côté de la languette du pied. Alors, on va reprendre notre talonnet. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va tricoter 6 mailles en 3 sur une première aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 6 autres mailles sur une autre aiguille. Alors, pour relever les mailles, vous souvenez, on a glissé des mailles de chaque côté de la languette. Ça fait des gros V. C'est dans les gros V qu'on va aller piquer, là, pour, on va relever au total 7 mailles. Alors, je pique dans le premier V une maille. 2, 3, 4, 5, 6 et pour la 7e maille, on peut tirer ici là, sur le fil. Ça fait bouger le fil intercalaire ici en tirant. Alors c'est cette maille ici qu'on doit prendre pour la 7e maille. Ça va empêcher de faire un trou, là. On a relevé les mailles du côté droit de la chaussette. Le dessus du pied va toujours se tricoter de la même façon, en commençant avec une maille en droit et ensuite 2 mailles envers et on répète les côtes de 2 jusqu'à la fin
du rang, mais on va terminer avec une maille en 3. Alors, ce sera toujours la même chose là, pour les 20 mailles du dessus du pied. Là, je le mets en accéléré, mais on va pas le voir là, à chaque tour. Ça sera toujours la même chose. Alors, on termine avec une maille en droit. Maintenant, on va relever les mailles du côté gauche de la chaussette. 7 mailles, la même chose, en piquant dans les gros V le long de la languette. Pour la première maille, vous voyez ici, il y a un grand fil. Ça, c'est une maille glissée qu'on a fait au début. On va s'en servir aussi si on tire. On voit ici, c'est relié à cette petite... ce petit fil qu'on doit prendre là, pour relever la première maille. Donc, on va chercher plutôt le brin de devant. Alors, on va chercher ici le gros V et le grand fil à l'intérieur, là, la maille glissée, on va la tourner vers la gauche. On va tourner le fil vers la gauche pour faire une boucle. Et on va piquer notre aiguille dans la boucle. Je vais le refaire une autre fois. Le grand fil, on peut tirer un peu dessus. On tourne vers la gauche. Et on insère la boucle sur notre aiguille. Maintenant, avec la laine de tricot, on tourne autour de l'aiguille et on passe notre laine de tricot dans la boucle. Il faut tirer un peu sur la boucle, sinon le fil ne passe pas. Et ensuite, sur la maille qu'on a relevée, la première maille, ça empêche de faire des trous là, de chaque côté, que c'est pas très joli. Ça vaut la peine de le faire comme faut. Alors là, on a une maille de relevée. On va chercher la deuxième. Trois. 4, 5, 6 et 7. Et on tricote les 6 mailles de l'aiguille de gauche. Alors, on a relevé 7 mailles plus les 6 mailles qu'on tricote présentement, ça nous fait un total de 13 mailles sur chacune de nos aiguilles là, sous le pied. Mais on veut avoir 40 mailles au total. On a nos 20 mailles pour le dessus du pied. On veut en avoir 10 sur chacune des aiguilles du dessous du pied. On va devoir faire des diminutions pour amener le nombre de mailles à 10. Alors, on va commencer du côté droit de la chaussette. Pour faire les diminutions, c'est le côté droit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur notre aiguille. Alors, il reste 3 mailles. Les 2 premières, on les tricote ensemble à l'endroit. Et la dernière à l'endroit. 2,
4, 6, 8, 10, 12. On avait 13, on a 12, on a diminué de 1. Le dessus du pied, toujours la même façon. Les côtes 2, 2, en commençant avec une maille en 3. Et en terminant avec une maille en 3, maintenant on va faire la diminution du côté gauche. On tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Ça nous donne 12 mailles aussi, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour cette aiguille-ci. On va continuer les diminutions de l'autre côté, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors, les deux premières ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il va nous rester juste une diminution. Le dessus du pied, toujours de la même façon. Alors, on va faire une autre diminution du côté gauche de la chaussette. Une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Deux, quatre, six, huit, dix, onze. C'est bon. Les dernières diminutions pour arriver à nos 10 mailles. Le côté droit de la chaussette, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Même chose, deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, on a fini les diminutions pour ce côté-ci. Alors, on poursuit évidemment avec le dessus du pied toujours de la même façon, là, les côtes 2, 2, en commençant avec une maille endroit. En terminant avec une maille en droit. Maintenant, dernière diminution du côté gauche. Une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Alors là, maintenant, on a le bon nombre de mailles pour continuer à tricoter en rond.
on va tricoter les mailles comme elles se présentent pour faire le pied. Alors, l'aiguille du dessus du pied, vous allez toujours tricoter de la même façon qu'on a fait en côte 2-2 et les deux aiguilles du dessous du pied à l'endroit. Et on va se servir du talonnet. On va aller cibler où on a commencé à faire le talonnet et on va mettre une petite épingle. Je vais aller chercher pour mesurer là, la longueur de la semelle. Je vais placer une petite aiguille ici. Au début du talonnet. Et on va continuer à tricoter, là, comme je vous disais, le tour, comme les mailles se présentent, pour une longueur de pied de 10 cm. Alors là, j'ai terminé. Je vais mesurer la semelle jusqu'à la petite aiguille. Et j'ai 10 cm. Lorsqu'on va faire la pointe du pied, ça va augmenter de 2 cm. Donc, on va arriver à 12 comme on veut pour la longueur totale. Alors, la pointe du pied, on va diminuer des mailles de chaque côté sur le dessus et en dessous. Alors, on va commencer par le dessus du pied. Du côté droit, on tricote une maille en droit. Un surjet. Même si les mailles se présentent à l'envers, on fait toujours les diminutions à l'endroit. Et on continue le dessus du pied en tricotant les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Les 3 mailles, les deux premières ensemble à l'endroit. Et la dernière maille aussi à l'endroit. Le dessous du pied, la première aiguille, on fait une maille en droit, un surjet, et le reste des mailles à l'endroit. L'aiguille suivante, aussi toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Là, on a fait un rang de diminution. Tous les rangs de diminution vont se faire de cette façon. Le prochain rang, on ne fait aucune diminution. On fait un tour complet en tricotant les mailles comme elles se présentent. Alors là, on va terminer le tour, le rang, sans faire de diminution.
le prochain rang, on va faire des diminutions. Alors, sur le dessus du pied, on commence avec une maille en droit, un surjet, le reste des mailles comme elles se présentent, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. Pour le dessous du pied, la première aiguille, une maille en droit, un surjet, le reste des mailles à l'endroit. L'aiguille suivante, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille aussi à l'endroit. Le tour suivant, on ne fait aucune diminution. Alors on continue à tricoter les mailles comme elles se présentent sans faire de diminution. Alors maintenant, pour les prochains tours, on va faire des diminutions à chaque tour pour 4 rangs. On ne fait plus de rangs sans faire de diminution. Donc, 4 tours au complet avec des diminutions. Il va nous rester 8 mailles sur le dessus du pied. Et ici, je vais vous montrer les dernières diminutions du dessous du pied. Une maille en droit, un surjet. 2 mailles en droit. Et vous pouvez continuer là, avec la même aiguille pour terminer le rang jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Sur nos deux aiguilles, on a 8 mailles pour le dessus du pied et 8 mailles en dessous du pied. On arrive à la fermeture, on va aller chercher nos deux quarts de maille et on va glisser les mailles des aiguilles sur les deux quarts de maille. Et la même chose avec le deuxième quart de maille. On va glisser les 8 mailles sur le quart de maille. Alors, on peut maintenant couper notre laine de tricot. On se garde une petite longueur. Et on coupe la laine. On peut enlever le petit épingle ici, là, on n'a plus besoin, c'était pour mesurer notre semelle. Je vais rentrer ma main à l'intérieur pour aller chercher le fil de tricot, là, le fil qu'on a coupé. Avec cette méthode, là, on n'a pas besoin de faire de couture. Vous allez voir, là,
C'est simple et joli. Alors, je tourne la chaussette à l'envers pour sortir les garde-mailles. Et on va reglisser nos mailles sur nos aiguilles. Alors là, il faut y aller prudemment parce que les mailles veulent sortir. Moi, je les protège un petit peu avec l'index là, pour pas qu'elles s'échappent dans le vide. Et la même chose de l'autre côté. Sur une deuxième aiguille. On a deux aiguilles avec 8 mailles chacune. On veut avoir une aiguille avec les 16 mailles. Alors, on va chercher une troisième aiguille et on va glisser une maille sur notre aiguille devant et maintenant derrière. On va alterner. On va chercher une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière. Là aussi, il faut être prudent. Là. Les mailles aussi veulent sortir. On est mieux d'aller lentement et d'avoir toutes nos mailles. Derrière, devant, derrière. Nos 16 mailles sont sur une seule aiguille. On va pouvoir fermer le pied, la pointe du pied, on va prendre, je vais tirer un petit peu, deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles ensemble, si je vais les chercher, deux mailles ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière par-dessus. Et on continue, deux mailles ensemble. Endroit, on rabat, deux mailles ensemble, on rabat et on continue ainsi là jusqu'à la fin du rang. Alors, la dernière maille, on rabat, on peut tirer la maille et passer le fil dans la boucle pour faire un nœud. C'est à l'intérieur de la chaussette, donc le nœud ne sera pas visible. Et on peut rentrer le fil. Je vais vous montrer la façon que je fais. Je vais aller piquer tout le long du rang qu'on vient de faire là, avec les rabats. Je vais piquer dans les V, les mailles tout le long de ce petit rang pour rentrer le fil. Alors, on va regarder le résultat. On n'a pas eu besoin de faire de couture. Et voyez, ça fait joli. Alors, il nous reste maintenant le fil du début de notre tricot. Si on porte la chaussette de cette façon, en tournant les côtes, il va falloir rentrer le fil par l'extérieur. Alors, je vais simplement passer mon aiguille
d'abord dans la bordure là, pour cacher le nœud coulant. Et ensuite, je vais piquer dans les V là, des mailles en droit où il y a les côtes de 2. On ne pique pas à travers au complet la chaussette. Là. On va seulement chercher les fils passés comme ceci dans les mailles. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ces jolies chaussettes pour bébé. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.